Bonjour et bienvenue sur PokéChannel 76, la seule chaîne en fait où vous avez des ouvertures de boosters où on ne me respecte pas en fait tout simplement. Les cartes ne veulent pas tomber, il n'y a pas de hit, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Voilà, hein, la chance elle n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc bienvenue en tout cas, merci de me suivre sur ces vidéos. N'hésitez pas donc à passer sur la chaîne, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce. Faire un petit commentaire aussi, activer la cloche pour avoir les notifications et partager la vidéo voilà, avec vos potes ou autres, à dire bah voilà, allez voir cette personne-là, ça va vous faire du baume au cœur, vous n'êtes pas les seuls à pas tirer des cartes, des hits à chaque vidéo, hein, parce qu'à chaque fois que vous regardez des vidéos sur internet, vous faites mais je comprends pas, le mec il ouvre, il a Dracaufeu, il ouvre, il a ça, il a de la gold. Eh ben non, c'est pas le cas de tout le monde, en tout cas moi c'est pas mon cas, et comme vous pouvez le voir dernièrement, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, donc aujourd'hui on va se venger, on va essayer de se rattraper en tout cas. C'est la X vidéo et Xème vidéo que je fais pour essayer de me rattraper, pour essayer d'avoir du hit. Donc là on va partir simplement sur du style de combat, donc on va changer de caméra. Donc booster de style de combat, pour tous ceux qui ont pu suivre mes autres vidéos, vous savez que sur la série Célébration, j'avais pas mal de coffrets en fait où je sortais ces boosters-là. C'est mon même cas de figure, par exemple, j'allais dire Eevee Hero, mais c'est Invasion CH chez nous. Pareil, Evolution Source, pardon, c'est pareil, c'est que j'ai commencé cette série-là, j'en ai fait pas mal. Et tout ce qui était booster style de combat et booster âge de glace, j'ai mis de règne de glace, pardon, j'ai mis de côté. D'où le fait que j'ai pas mal de boosters comme ça en vrac. Et derrière, bah, j'essaie de faire une petite ouverture, mais comme vous avez pu le voir, ça ne. Je n'ai pas de chance dessus. Donc voilà. Donc bah, fin de mes petites paroles. On va tout simplement passer aux ouvertures. Et puis voilà quoi, on va partir sur du. Sur du bon booster, on l'espère. Donc, j'ai dit combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6, 12. 12 boosters à ouvrir. Voilà. En espérant avoir un peu plus de chance que sur la série Reign de Glace que j'ai ouverte dernièrement. Où, bah, pareil, hein, je me suis fait maltraiter par les cartes, maltraiter par les boosters. Ils n'ont rien voulu me donner. Ils m'ont ri au nez même. C'était affreux. Voilà. Je me suis senti mal pendant quelques semaines. Donc voici les codes. En tout cas, ce qui est bien pour vous, c'est qu'au moins vous avez des codes qui tombent. Et puis je vous dis, je pense que ça va vous faire du bien de voir un petit peu que bah, tout tombe pas comme il faut chez tout le monde. Il y a des gens, on va dire, presque normaux. Alors, gros tichon, rouleau tourbillon, frisson, hippotrempe, férosinge, ramolos, mimantis, rémorèdes. Concentration de Cornelia en reverse. Et derrière, nous avons un petit Corvaeus. Bah, ça fait plaisir. Donc, la première carte V. Donc, bah, c'est cool, hein. Je vais pas me plaindre pour une fois. Pour une fois, je suis très content. Puis, pareil, ça, c'est des Pokémon que j'ai très peu. Bah, très peu vu et que je connais pas plus que ça. Donc, ça fait. Ça fait plaisir de les découvrir aussi. Et la carte est très jolie en soi. Bon. Allez, on continue. Donc, petit code pour vous. Donc, un premier hit, ça fait toujours plaisir. Allez, carte énergie. Cléodome. Dimoclès. Gros Tichon. Scalpion, Charpentier, Grouitui, Chaglam, Dunaja, Psytigris, en reverse et Astronel en holo. Bon bah c'est cool. Une holo, une V. Sur deux boosters. Je suis sur un énorme ratio là. Limite, je devrais m'arrêter là. Parce qu'après, je vais me faire du mal. Je me connais. On va. Hop là. Allez, si on va essayer de chercher des foulards, ce serait pas mal. Mais des secrets aussi, à ce qui paraît. Des rainbows. Ça peut fonctionner aussi. Bon, maintenant, je préfère quand même les alternatives aux rainbows. Si j'ai le choix. Éventail houleux. Coléodome. Dimoclès. Misdilule. Ciribou,
Pachirisu, Eoko, Monorpal, Archeodong en reverse et Betochef. Ok, bon bah ça va, c'est pas non plus. C'est pas non plus désastreux. Le code pour vous. Bon, bah dans les commentaires, n'hésitez pas à dire où est-ce que vous en êtes vous dans votre série style de combat. Bah déjà savoir si vous l'avez faite ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui font des impasses sur des séries. De toute façon, c'est un peu compliqué d'essayer d'avoir toutes les séries. Donc voilà, donc savoir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Ce que vous avez choisi comme série, où est-ce que vous en êtes, ce qui vous manque, ce que vous recherchez. Et voilà quoi. Donc n'hésitez pas à ce qu'on discute de tout ça me ferait grandement plaisir. Alors, on arrive sur Cerebou en reverse. Et donc, derrière la reverse, nous avons quelque chose. Donc, c'est cool. Tiens, la série Style de combat est bien plus sympathique que Ring de glace, en tout cas sur les hits pour l'instant. En tout cas pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Une classique, je suppose. Ouais, une classique, un V-Mimikyu. Bah, c'est parfait. Hein. C'est très très bien. Je suis très heureux de ça. Un Mimikyu V. Parfait! Alors, que va-t-on avoir sur ce prochain booster? Telle est la question. Alors, hop, voici. 1, 2, 3, 4. On est reparti, on y croit. Donc, petite énergie. Nosferalto. Aldo. Wagomin. Exelang, Electek, Psytigris, Ramolos, Charpentis, Drayle, d'accord, et derrière Drayle, nous allons avoir un Hexaguide, un Chitolo, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc pour l'instant, on a quand même deux cartes V et deux holos. Bon, bah, sincèrement, c'est un bon taux de drop par rapport à ce que j'ai pu avoir sur d'autres séries. Et puis normalement, si vous avez regardé un petit peu les vidéos précédentes, vous devez savoir ce que j'ai chopé sur le Ring de glace, en tout cas sur le même nombre de boosters à quelque chose près. Bah grosso modo, je suis déjà mieux maintenant. Spoil alert. Dis du mal, j'ai pas encore bien centré ma cam. Et en plus, j'ai la lumière qui est en face de moi, le retour aussi caméra qui est en face de moi. Donc il y a des moments où je regarde. Pas aux bons endroits et puis ça m'aveugle un petit peu donc je suis pas au top. Boîte à excuses les gars, boîte à excuses. Hein. Scalproi, Boustifla, Spectra, Spoing, Chabri, Charbi, pardon, Viscuse, Psytigris, Larvada, Boustifla et Ossature. Ossature, c'est. Je sais pas, c'est pas le Pokémon qui me fait kiffer en fait. Y a pas une seule série où je l'ai trouvé ouf que c'est là. Les Pokémon comme ça, on les aime pas plus que ça quoi. C'est pas qu'on les aime pas, sont un peu indifférents quoi. Bon, allez, oui Messire, Jean-Fleur et Jean-Talin. Colomb, Archéomyr, Cacnea, Spoing, Charbi, Viscuse, encore un Drayle, encore un Drayle et un Mohawk. Moyade, pardon. Bon, bah ouais, ça, la chance, ça stagne là. Hein. J'ai pas eu encore une vraie bonne carte. J'aimerais bien avoir une full art. Ça serait assez cool. Voici. Et plus si y a affinité. Hein. À
Alors pareil, si vous suivez un petit peu les vidéos, je vais commencer à mettre des objets en échange, si ça vous intéresse, sur tout ce qui est double, sur différentes séries, donc soit de la Célébration, et en fait, à savoir, c'est que j'ai pas mal de doubles de, bah, grosso modo, bon, XY Evolution, je dois plus avoir, mais, ou très peu en tout cas. Mais grosso modo, ouais, de XY Evolution à maintenant, j'ai quasiment toutes les séries que j'ai essayé d'ouvrir. Donc je dois avoir pas mal de doubles. Donc s'il y a des cartes que vous recherchez, n'hésitez pas à venir me contacter pour qu'on en discute et qu'on voit si on peut trouver des arrangements. Beto Chef pour la carte Reverse. Et derrière cette belle carte Reverse, nous avons encore quelque chose. Donc ça, c'est trop cool. Beto Chef nous cache quoi? Beto Chef nous sort un Mastouf V. C'est parfait, c'est trop cool. Bon bah grosso modo c'est pas compliqué, hein. Toutes les cartes, tous les hits se trouvaient dans les paquets style de combat. Bah tous les hits, une bonne partie des hits se trouvaient dans les paquets style de combat. Et par contre sur Reine de Glace il y avait rien. Faut croire que c'est un peu ça. Bah, c'est pour vous. Et puis après, pareil, je pense que je vais mettre aussi sur ma chaîne. Bah, je vais relier ma chaîne en fait avec ma petite boutique eBay. J'ai une petite boutique eBay où je vends des articles qui soient neufs ou mes doubles justement que je mets à vendre pour moi-même pouvoir acheter mes doubles. Je vais peut-être mettre la boutique en relation avec la chaîne, histoire que vous sachiez déjà à qui vous avez affaire. Ça peut être pas mal aussi de savoir avec qui vous traitez. Et puis voilà quoi, ça peut être pas mal. Donc on va voir ça prochainement. Puis si vous avez des idées ou des choses à mettre en place, n'hésitez pas à venir m'en parler, qu'on en discute. Hein. Je suis preneur de plein d'idées. Bon. Mystigrix, en holo. Joli, 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 joli. Je sais pas pourquoi elle fait pas vraiment le point aujourd'hui. La cam, elle a pas envie. Bon allez, il nous reste 3 paquets. Donc on va speeder un peu sur la fin quand même. Hop, voilà. Ah bah après d'un côté c'est que j'ai pas trop squeezé certains paquets. Comparé à Ring de Glace où à un moment donné ça me saoulait. Donc j'ai vraiment abusé. Hop, Gorée. Dentricis, Frisson, Frison, pardon, oh là là là, j'ai fatigué le garçon aujourd'hui, je suis désolé. Kalpion, Malos, Lixi, Scorplan, Spoing, Remoraid, et Prismillon. Ok, bah rien de ouf, comme d'hab. Hop, on fait du rapide. Le code pour vous. Hop. Un tête carte, une énergie. Hop, super. T'en mets ici. Et tout le reste ici. Archéodong en Reverse, et nous avons Kudlang en classique. Et donc pour la fin, pour le dernier paquet, qu'allons-nous avoir? Allez, combat pour l'énergie, niveau ball, Pérégrin. Scorvol, Kongfouine, Monsieur Mine de Galar, Dunaja, Chétifleur, Onyx, Boostifleur pour la Reverse et Amplifleur pour la Rare. Bon bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, ça c'est fait. Bon bah en soi, pas trop dégueulasse comme tirage, pas trop dégoûtant. Donc bah les holos, Astronel, Mystigrix
Exagide, pardon. Bah, mention spéciale à Mystic X. J'aime. Simple, propre, sobre. Très bien. Très joli. Et donc après en V, on va avoir du Mastouffle, du Mimitu ou du Corvallus. Corvallus, que je connaissais pas plus que ça. Bah, je connaissais pas plus que ça. Façon de parler, quoi. Mimikyu, Mastouf, bah, les classiques, elles sont jolies. Bah, le Mimikyu est vraiment très joli la façon dont il est fait. Mais voilà, faut en choisir une, donc Corvallus. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire les cartes que vous avez préférées sur cette ouverture-là. Et puis de toute façon, on se revoit très prochainement pour une prochaine ouverture. Donc bah, si vous avez bien aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, pareil, sur les réseaux si vous avez la possibilité. Vous abonner à la chaîne. Et puis qu'on continue un petit peu ces ouvertures régulières qui, moi, me font très plaisir. J'espère vous font plaisir aussi à vous. Donc n'hésitez pas à les commenter. Et puis on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo d'une ouverture sur soit une série identique, soit une série différente. On va changer. De toute façon, il y aura quoi qu'il arrive, il y aura pas mal d'ouvertures. Allez, bisous à tous les enfants. Hein, comme je vous l'ai dit, on est tous des enfants de quelqu'un. Donc ce sera le terme générique pour la fin en tout cas. Donc bisous les enfants, les grands et les petits. Et on se dit à très bientôt. En tout cas, moi, comme vous avez pu voir, ça m'a fait très plaisir de rire avec vous et d'avoir partagé ce contenu. Bisous à tous, au revoir.